Il s'agit de leur programme court européen et olympique. Si Ed Sheeran touche des royalties sur les musiques de ce soir à Grenoble, mais si c'était le cas, je pense qu'il passerait une bonne soirée parce que, encore une fois, il y a au moins 5 ou 6 patineurs qui ont pris ces thèmes. Là, on est presque dans la symbiose. Absolument, absolument. Ils sont à quelques centimètres en permanence. Ouais. Excellent, excellent ce qu'ils nous ont proposé. Champion du monde. Et le public ne s'y trompe pas. Tout le monde est debout. C'est un véritable honneur de les avoir ici à Grenoble pour nous. Ouais, j'ai pas, d'ailleurs, c'est leur premier, oui, c'est naturellement leur premier show au terme des JO. Et c'est, oui, c'est très bien pour la ville de Grenoble de pouvoir accueillir ce gars-là ce soir. Vous pouvez revoir à la télévision avec les commentaires de Nelson leur programme qui était leur programme court des Jeux Olympiques. Ça sera sur France 3 et sur Télé Grenoble. Gabriel, parle du programme court, c'est le programme et Guillaume, c'est justement la robe qui avait oui. fait débat. Mais c'est déjà oublié. Bonsoir tout le monde, encore une fois. Ouais, je suis un peu moins fraîche que tout à l'heure. Mais merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup d'être là. Merci pour tout le support et les applaudissements, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Voilà, je voulais juste dire bravo aussi aux autres patineurs, aux autres athlètes qui étaient avec nous au jeu. Et j'espère que vous serez là aussi pour nous encourager tous au championnat du monde à Milan. Merci. Rebonsoir Grenoble. Est-ce que vous passez une bonne soirée ? On est vraiment très content d'être ici. On a passé une super belle soirée avec toute l'équipe de France. Voilà, c'est pas facile, on est tous un petit peu fatigués, mais puis la piste est très très petite. Mais voilà, on a fait de notre mieux pour vous ce soir.
et merci de votre accueil. On a essayé de vous le rendre du mieux possible. Où peuvent-ils s'arrêter, Nelson? Où peuvent-ils s'arrêter? Bien, monsieur, il a dit... Je pense que je pense qu'ils sont en lice pour les quatre prochaines années, pour ce qu'on appelle une Olympiade, en espérant évidemment que ça se termine avec une médaille d'or. Mais je dirais que déjà là, nous avons quand même un couple qui est deux fois champion du monde, plus une médaille d'argent, quatre fois champion d'Europe, vice-champion olympique. Je veux dire, dans le patinage français, il n'y a pas tellement d'exemples. Non, je pense que vraiment, ils peuvent être extrêmement fiers d'eux et... Et le public français très fier de leur meilleur représentant. Alors il ne s'agit pas de refaire les classements, c'est fait de toute façon, c'était très proche avec Tessa Vertue et Scott Moyer. Je pense que la petite différence s'est peut-être faite par un soupçon de plus d'expérience des Canadiens qui ont ce petit touch de glamour, d'aller peut-être davantage vers le public, de créer cette étincelle qui a fait moins d'un point de différence au total. Voilà. On peut regarder pendant des heures. Est-ce qu'il méritait, est-ce qu'il ne méritait pas agir. Voilà, je pense qu'ils peuvent vraiment se contenter de cette très très jolie médaille d'argent. Vous en avez longtemps parlé sur les plateaux de France TV Sport. Oui. Est-ce que le fait qu'ils aient les mêmes entraîneurs que le couple canadien. Champion olympique, que le couple canadien, est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que c'est un problème. Je pense effectivement que c'est un problème et qu'il y a peut-être deux poissons trop gros pour nager dans le même bocal, quatre en l'occurrence, dans le même bocal. Je veux dire, ça me paraît très difficile dans la même structure d'entraînement de quelqu'un qui a exactement les mêmes objectifs que soi. Mais c'est ainsi. Alors là, c'est pas un bis, c'est un tris, je ne sais pas si ça se dit. Un terre, voilà, un terre qui nous est proposé sur ces très belles images de Michael Favard et de son équipe. Les magiciens de la glace, Gabriela et Guillaume.